Moi, je vais être clair, Charles, je suis entièrement d'accord avec, avec Guy. Parce que jusqu'à quand on va attendre Seko Fofana? Quel est l'héritage qui a été laissé par... je vais prendre juste un exemple. Didier Drogba, il a laissé un ballon d'or pour venir jouer avec sa sélection. Vous vous rendez compte? Des joueurs comme Yaya Touré, qui ont joué dans les plus grands clubs, Kolo Touré, Liverpool, on va pas rappeler les clubs. Juste, il faut rappeler juste ça, c'est qu'il n'était pas à la cérémonie pour la remise du Ballon d'Or parce qu'il devait jouer avec sa sélection. Je ne vais pas tous les citer. Non, c'est en pleine canne. Je ne vais pas tous les citer, mais on a des Chico Tiené, on a des Didier Zokora, recordman de sélection avec la Côte d'Ivoire. Et aujourd'hui, j'aime beaucoup Seko Fofana, c'est un très bon joueur. Mais aujourd'hui, il est en train de jouer avec le public sportif ivoirien, avec l'équipe nationale. Je suis désolé. Je suis désolé, à un moment donné, décide-toi. On sait que t'es un super joueur, on sait que tu peux apporter quelque chose, on sait que tu peux devenir un joueur majeur, on sait même que tu peux potentiellement être un des meilleurs milieux africains. Mais comme Sadio Mané aujourd'hui est un meilleur attaquant. Vous voulez qu'on puisse élever un peu la température, non? Oui. À un moment donné, il va devoir. Et est-ce qu'il faut lui donner une dernière chance? Je sais pas, ça va être à Jean-Luc Gasset de décider. Mais pour moi, c'est déjà trop long. On lui a déjà donné trop de temps. Cette photo, pour moi, elle illustre un petit peu. Je vais pas être grossier, mais ça illustre la façon dont Seko Fofana considère un petit peu la sélection ivoirienne. C'est de l'hypocrisie, tout simplement. Les mots sont forts, mais pour moi, c'est de l'hypocrisie. Faire des photos pour l'image, dire je reviens et se moquer quand on te convoque de la convocation. Pour moi, c'est la fois trop. Il faut arrêter à un moment donné. Il faut prendre un autre joueur qui s'intègre dans le groupe. Parce que la raison pour laquelle je ne suis pas d'accord avec Nabil, on ne construit pas des joueurs, une équipe avec des individualités. Mm-hmm. C'est un collectif. On cherche à faire un collectif. Mm-hmm. Un collectif fort pour aller décrocher une CAN. Et Dieu sait que c'est très difficile.